CKRL, cultive tes goûts. Oh Malou, oh Malou, oh Malou, petite gueuse shampouineuse de mes rêves. Oh Malou, oh Malou, oh Malou. Petite gueuse shampouineuse de mes rêves. Oh Malou, oh Malou, oh Marilou. Fais gaffe. Fais gaffe, putain de bordel de merde. Hey, je me sens en forme là ce soir, là, cette nuit. Bonsoir, bonne nuit, bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Attendez-vous là, là. Allez-y. Ça va bien. OK, tout le monde ensemble. Madame Thibodeau. Monsieur Tremblay, bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça va bien? Pas bien! Eh, monsieur, pas bien. Monsieur, pas bien! Monsieur, pas bien! Monsieur, baby! Monsieur, baby, pas bien! Monsieur, baby, pas bien! Bon! Je me sens tellement en possession de toute mon incapacité mentale que j'ai le goût. Que j'ai le goût, j'ai le goût, oh, j'ai le goût d'improviser avec cinq mots. Ouais, je peux pas aller plus loin dans la dispersion de mon imaginaire, puisque je dois faire ça en 20 minutes. 20 minutes, t'es-tu cinglé? Pour faire une bonne émission de radio, on veut pas en faire une bonne. Non. Il y a un prérequis. Oh, moi j'ai une voiture, une Suzuki. Non, c'est un prérequis. Oui, c'est quoi le prérequis? C'est de parler 10 minutes gros maximum. Ensuite, enchaîner avec une chanson. Ben, moi, je veux pas m'enchaîner. Je veux tout simplement aller de mots en mots. Un peu comme on peut quitter un pays pour aller de train en train. Et attendre de port en port. Encore, je sais, je ne le jure, je pourrais oublier mon port. Bon. Mais, c'est pas là la question. C'est plutôt une réponse étrange. Hey, pourquoi j'ai pas enlevé des épaisseurs? Moi, là, ah, il fait chaud. J'ai la sueur dans la... bon. Et puis donc, sur le public, ça ne savait même pas que t'avais ça. Ben voyons donc, ouais. J'étais un humain. Ben en fait, j'étais avant un SOTS. Mais je suis allé voir un chirurgien plasticien. Il arrêtait pas d'aboyer. Ça va coûter 20 piastres. 100 piastres. Toi, 300 piastres, arrête donc. Vous avez juste à faire quelques retouches sur mon beau visage. Il a été malade. Oh, je suis avec un alcoolique. Je suis avec un workaholique. Je suis avec un colique de Saint-Simonac, de personnage bizarroïde. Bonjour, mon ami, c'est moi, Rénal Gagné. Ton véritable... ton ouverture vers quelque chose d'assez extraordinaire. Pour ne pas dire hors de l'ordinaire. Là, comme je voulais vous balancer en début d'émission quelque chose, en fait, une proposition, si vous voulez, hein, sinon on peut arrêter ça puis faire jouer de la musique jusqu'à In Vitam Paparman. J'ai choisi dans le dictionnaire parce que je l'ai trouvé. Oui, en dessous de tous mes livres d'Henri Miller. Et l'autre, là, l'autre pervers, là, comment s'appelait-il? Sad. Mais l'autre, le Nabokov. J'ai trouvé mon dictionnaire Robert de quelle année? Ah, mon Dieu. On voit ça les années dans le dictionnaire, dans le dictionnaire lui-même. OK, attendez un petit peu. Ça, c'est à 107 Avenue Parmentier, Paris, 9e arrondissement. Non, 11e arrondissement. Faudrait que je vais aller les voir cette année. Je vais leur dire, Rénal Gagné dans le dictionnaire, là, ce serait super bien apprécié. Ce serait apprécié. Mais avant de mettre mon nom, parce que ça ne vaut pas la peine quand même. Pas encore. C'est KRL. Je vais demander de placer dans le dictionnaire Robert, c'est KRL. C'est KRL! Hein? Première radio communautaire francophone au monde! Hey,
On prend-tu la chance d'appeler monsieur... Non, je voulais faire 5 à improviser. OK, je le sais, on va là. J'ai le petit... Excusez-moi, c'est une chicane intérieure, là. C'est comme au sein d'une famille, mais c'est dans mon cerveau. Il y a de la vaisselle qui se tire, là. Il y a des tasses, là, qui... Il y a des ruptures au miroir. Sur le miroir rouge à lèvres, je t'ai laissé un mot d'adieu. Pardonne-moi, petite chaîne, je m'en vais, je referme ma vie. L'harmonie en tuer une frère, reflète ton air malheureux. J'ai voulu m'ouvrir les veines, puis j'ai réfléchi. Sa taille était un orfèvre, comme un petit bijou précieux. C'était le plus beau spécimen de gamine que j'ai vue de ma vie. Mais là, c'est pas la chanson de Rupture Miroir. Que... L'année du dictionnaire, ben oui, attendez un petit peu. Dictionnaire, peut-être à la fin, hein? Je suis sûr qu'à l'école primaire, on montre aux enfants comme... 1990! Oh! En 1990, c'est le temps de l'imagination! OK, alors je prends 10 mots au hasard. 5 mots, parce que là, on a déjà emprunté beaucoup de secondes. Alors, on va commencer par décoratif. J'ai choisi au hasard décoratif. Je le prends en note, si ça ne vous dérange pas. Décoratif. Ça va bien entre vous, oui? Non, allez vous chercher un verre d'eau, c'est le temps. Là. Ensuite, deuxième mot au hasard, c'est étonné. Bon, étonné. OK. Ah, c'est excellent jusqu'à présent. Ensuite de ça, infiniment. Infiniment. C'est long, hein? Il y a des soeurs qui se perdent, là. Oh, moralement. Bon, moralement. Si vous croyez que c'est pas vrai, là, allez sur moralement. Le ment. Moralement. Et puis ensuite, allez voir sur YouTube, hein, l'imagination. L'imagination est filmée en direct. Ben là, c'est plus du direct, là. C'est ça. Et puis le dernier mot, c'est percussion. 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 Alors, je vous l'ai redit. OK. Ah, j'espère que ça va lever, ça, là. Alors, il y a décoratif, étonné, infiniment, moralement et percussion. On a-tu la... Avons-nous la... Ça serait bien le sifflet. Premièrement, là, hey, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas dit premièrement. Je sais pas comment procéder. Peut-être dans... Oh oui, OK, d'une manière à l'envers, tiens. OK, je vais du dernier mot jusqu'au premier. Je vais essayer d'inventer une histoire. Et... Ouf, ça commence par percussion, hein. Aïe, aïe. Oh, l'écho. Il y a de la percussion dans le cerveau, là, là. Oh, on va arrêter ça. Non, mais je suis jamais habitué par autant de frénésie intellectuelle, moi, là. Puis en plus, je me rajoute une pression supplémentaire. Une percussion qui vient me suctionner la matière grise qui, quand même, depuis quelques années, rapetisse. Lentement. Un peu comme la vie qui se fait brûler par les deux bougies. Moralement. Moralement, j'ai la vision de l'existence de notre société assez pessimiste. Et monsieur, il y en a, oui, Cécile. Ça, c'est les serpents de Sibérie. Vous connaissez le serpent de Sibérie? Ça a l'air de rien, ça. Hein? Oui, oui, là, ça se promène, ça chante, là. Ouh, ça, c'est le petit serpent de Sibérie. Là. Puis là, ça voit un humain. En fait, ça ne voit pas une main, ça voit une cheville. Mais là, c'est pas fou, ça, là. On se dit, oh, des animaux, c'est pas intelligent. Eh, wow! Nous sommes des animaux. C'est vrai qu'on est imbéciles, là, mais le serpent de Sibérie, lui, il se dit, hey, attention, c'est une cheville, puis en haut de la cheville, là, c'est un peu comme Zachary Richard, là. L'arbre est dans ses feuilles, mal il est, en bas de la feuille, il y en a une. Lui, c'est... Si je mords la cheville, il y a une jambe. Si je mords la cheville, il y a une jambe. La jambe est sous le tronc est dans les bras. Les bras sont greffés à la tête. Non, c'est au corps, au corps. Au corps du Christ. Amen. C'est infiniment beau.
Le genre humain, c'est infiniment grand. Le genre humain, c'est infiniment incalculable. Là, c'est le mot infiniment que j'essaie de suctionner, là. Mais les gens le savaient, monsieur Grompré. Non, c'est Rompré. Monsieur Rompré, oui, j'arrête ici mon chemin. Ben, ça tombe bien, monsieur Rompré. Oui. Ce n'est pas un petit zoo tranquille, cela, là. Parce que tout le monde sait que la nuit, ce n'est pas un zoo. Un zoo la nuit, monsieur Lauzon, un de ses meilleurs films. Un de ses meilleurs films. Mais moi, je vous dis, enlevez la séquence. Là, les gens vont dire, oui, mais il y a Léo Lowe. Ben oui, il y a Léo Lowe. C'est vrai, il y a Léo Lowe. Il y a Ginette Renault dans Léo. C'est une grande comédienne, Ginette. Je ne sais pas pourquoi les cinéastes, les réalisateurs québécois ne laissent pas la place à ce monument. Autant que sa voix est... Ce soir, je ne suis que de chanson. Mais ça, c'est moi, une reprise, là. Ni plus ni moins qu'un voleur de passion. Appelez-moi bouffon d'illusion. Je fais l'amour comme je brûle des torchons. Ah ouais, le torchon. Et puis, non, mais je sais que ça peut vous étonner, ma voix. C'est le mot étonné. Et je lis à mesure. Regardez sur YouTube, là. Je ne mens pas, madame la présidente. La commission Barbonneau, madame Barbonneau, je ne triche point. J'aimerais dire à vos juges et jugesses, mais non, c'est à vos juges et juges, à vos juges et juges que vous me jugerez à l'incapacité intellectuelle de ma phrase. Quoique depuis le début, je sais, je suis plus qu'innocent, doublement innocent. Un Saint-Petit. Saint-Petit s'en va ce soir d'abord de bien belle épouse. Donne-moi du haut. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles, car j'ai rendez-vous. Elle me met. Voyons, dictionnaire, non. Elle me met. Elle m'aimera tant. Je suis obligé de conjuguer, madame, en chantant. Lorsque j'étais petit garçon, je conjuguais en chantant. Et bien, des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est toujours plus inquiétant de se faire traiter de con en chanson. Mais là, ce n'est pas la chanson qu'il nous faut. C'est le dernier mot, sans doute. C'est décoratif. Tout cet univers cinématographique et narratif. Un univers narratif. Calme-toi. Bon. Ça va bien. On dirait que j'ai une crise maliaque. J'ai le cœur qui veut manger. Est-ce possible qu'un cœur mange l'autre cœur? Parce que si vous divisez ça en deux, il y aurait peut-être une chicane. Un chaos. Entre le cœur de gauche et le cœur de droite, quoique là, vous allez me dire, il y a juste un cœur. Je sais, il y en a. Mais vous savez, c'est une forme de « je t'aime, moi non plus ». Deux petites boules vers en puis qui s'en vont en bas. Là. Alors, si tu les divises, ça fait la moitié d'une petite boule. Qui dit la moitié d'une boule? Toi, tu n'es pas jalouse de l'autre petite boule? Que les petites boules, tu sais, les deux petites boules se regardent, là, puis ils se disent entre elles. Là. Ouais. Tu pompes, toi, hein? Ouais. Je pensais que c'était Brigitte qui pompait le plus, mais non, c'est toi. Gaétane. Attends, moi, si j'arrête, tu vas en pomper un coup parce que tu dois me rattraper, là. Hein? Si je mouille, là, je veux cesser de battre. Que feras-tu? Ben, m'a travaillé deux fois plus fort. Ben, c'est ça, je vais cesser de battre. Non, fais pas ça. Hey, fais pas hier, pas ce soir, parce que hier, il s'est démené, lui-là. Il se prenait pour un jeune. Un jeune de 17 ans, là. C'est un malade. Il faudrait qu'il aille voir son cardiologue. Mais là, il dit, oh non, moi, c'est des pieds de vin, l'ambulance en arrière. Puis, il pense que c'est des histoires cinématographiques. Bon, c'est pas ça, la vie, là.
Là, il dit, je veux pas coûter cher à l'État. Moi, je vis ma vie, je brûle ma cigarette, puis parler debout, puis on arrivera dans le milieu, puis ça sera un sarcophage d'amour. Ben moi, t'es un malade. Alors, ici devant vous, j'ai fait une improvisation avec décoratif, étonné, infiniment, moralement et percussion. La semaine prochaine, nous tenterons de faire plus fort encore. Hey, t'es capable! Le mot incapable dans mon univers n'existe pas. Quoique mes professeurs me disaient, Rénal Gagné, t'es un incapable. Oui, mais je vais en prendre deux brassées, s'il vous plaît. Si vous voulez les mélanger, parce que j'aime bien mixer, moi, les incapables. C'est pas de Victor Hugo, ça, les incapables? Non, c'est les misérables. Ben, c'est ça. Je savais, là. C'est pas parce qu'un manque de culture, là. C'était pour vérifier si vous saviez. Vous avez une formation universitaire, vous? Ouais, mais c'était à l'université, malade. Oh, mon Dieu! Ouais, quel professeur que ça fait? Ça fait des professeurs malades. OK. Ah, c'est pour ça que Serge vous chante régulièrement à la fin de sa tournée. Monsieur le Président? Oh, c'est un message, là. Il n'y a pas de message. Ici, c'est une émission sans message. Sans message, sans mots. Sans mots, sans message. Sans message, sans mots. Sans mots, sans message. Sans message, sans mots, sans mots, sans message. Sans message, sans mots, sans mots, sans message. Ça fait quoi? Ça fait 250 fois qu'on vient de le dire, sans message, sans mots. 100 fois 100, ça fait 100 000. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme, Rénald, le néant, Gagné. Vous savez d'où vient mon surnom néant? Je ne le nommerai pas. C'est un bonhomme qui a déjà travaillé à Réouéla. Là, pour montrer qu'il avait déjà travaillé à Réouéla, peut-être 2-3 jours, je ne sais pas, là. Il avait des boîtes, mais des boîtes, à peu près une vingtaine de boîtes, indiquant très bien dessus que ça provenait de Réouéla. Puis là, il accueillait ses étudiants et étudiantes en disant, ouais, ton texte, là, faudrait peut-être revisiter quelques passages. Parce que moi, j'ai déjà travaillé à Raloukalala. On n'admettait pas ça, ce genre de choses-là. Là. Parce qu'à Raloukalala, on purifiait toute dramaturgie pour la rendre audible à nos auditeurs et auditrices. Car quand même, c'est une radio d'État qui se met quelquefois dans tous ses états. Qui cherche des tas de mots et des tas de phrases pour dire je t'aime ». Aujourd'hui, le vendredi 12 avril, et je suis tellement heureux de vous le présenter. C'est un personnage. Deux qui se rencontrent en même temps, là, ça fait des flamèches, ça fait des courts-circuits, ça fait des bonnes émissions. Vous allez en constater, là, vous allez en avoir la preuve. De visu et d'une manière auditive. Qu'est-ce que tu allais dire? Je ne tiens pas à aller plus loin dans ma phrase. Puisque le ridicule tue. Aïe, aïe! Oh! C'est mon cœur qui mange l'autre cœur. C'est hier, ils ont arrêté de pomper. Pomper. Oh, que faisiez-vous? Autant chaud, dit-elle la pompeuse. Ben, je pompais 20 piastres par jour. Oh, mon Dieu! Vous habitiez où? À Limoilou. Aïe, aïe, donc! Oh, oui! Vous êtes... Je suis la pompeuse de l'imaginaire. Oh! Aujourd'hui, le vendredi, on en connaît les pompeuses de l'imaginaire, là, hein? On ouvre notre porte-monnaie. On compte les grelins-grelins. Grelins-grelins, ça va bien? Oui, bon, oui, merci. Alors, vendredi 12 avril 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous emplopper... Oui, parce que moi, je m'emploppe. Oui. Je m'en confesse. Plus on s'emploppe, plus on se cache dans cette implomité. Puis à proximité de l'emplomité, il y a quoi?
Une petite lumière rouge. Et ensuite, une petite lumière orange. Non, c'est jaune. Jaune. Et ensuite, une petite lumière verte. Et après, on veut passer. C'est ça, on peut passer. Alors, et pour nous envelopper dans un animateur narratif, unissons-nous autour du chanteur Brad Scott, chanteur musicien, là, le bassiste. Captain Pompom, par un voyage, Captain Pompom, par le rivage, Captain Pompom. La terre est pleine. La terre déborde. Non, vas-y, amène ton... Non, non, commence pas à improviser là-dessus, parce qu'on va déborder. Comme cette sphère. Après une solide formation de musique classique, on parle de Brad Scott. Après une solide formation de musique classique, il se noie dans le punk à 15 ans. Il n'est pas encore revenu, je vous le dis. Il est encore dans les méandres du punk. Il est possédé des Ramones. Ça vient de moi, ça. Dans une ancienne improvisation. Ah, les airs, avez-vous regardé? C'est un classique. Comment ça, un classique? Ben, c'est mon classique. Quel classique? Ben, voyons donc, je suis... Vous avez jamais vu ça? Ben, pas vraiment. Allez sur Google. Et vous allez taper, OK? Comment j'ai appelé ça, cette vidéo-là? Non, l'emprise des pans, des je suis... Ouais. Prenez un petit café, là, discutez entre vous. Ouais, mais Georgette est très malade, hein, mon doux. Elle a perdu 30 cm de taille, puis... Non, attendez. Ah oui, je suis possédé des Ramones. Allez voir sur Google, entrez « Je suis possédé des Ramones » et vous allez voir une demi-vidéo. Alors, 15 ans... Excusez-moi, il se noie dans le punk. Qu'est-ce que tu es là? Ah oui, parce que je tiens à vous dire, madame, je m'accuse. Vous allez voir ça dans les vidéos, oui. Lorsque je parle trop longtemps et que je prends mal ma respiration, vous savez que moi, homme de théâtre, qui a foulé, ah oui, j'ai foulé, je mesure 2 mètres maintenant. Avant ça, j'étais à 6 mètres d'atteindre cette inaccessible formation théâtrale. Monsieur Anouille, à Spaghetti, Anouille, non, c'est annule. Annule, ah, il dit, ah, t'es nul, mon petit champion, t'es nul. Parce que ta respiration, si tu continues à pomper comme ça, tu vas avoir le hockey en plein milieu de l'émission. Ben, comment ça, vous savez ça? Ben, c'est normal. Écoutez, moi, je suis pas n'importe qui, là, je suis l'homme de théâtre, Anouille. Jus de légumes et boulettes de steak haché. Alors, après une solide formation de musique classique, il se noie dans le punk à 15 ans. Son adolescence le plonge dans l'univers du glam rock. En 85, il quitte Londres pour rejoindre la scène française. Enfin, à Paris, il joue avec Renaud Séchant, puis Arthur H. Brad Scott compose pour Arthur et sur scène. Il chante Léo Ferré ou des classiques comme Le Premier Pas. Là, je tiens à vous dire que la chanson de Léo Ferré, là... Vous allez l'entendre la semaine prochaine en ouverture d'émission, à ne pas manquer. Sinon, c'est téléchargeable sur Internet. J'ai un site officiel. Tapez toujours sur Gargoyle, l'errance rénalienne, le premier rang. C'est moi, c'est le site officiel. Ensuite de ça, il accompagne ensuite Alain Bachung dans sa tournée Les Grands Espaces, puis Jacques Higelin. Parallèlement, ça c'est dur à dire pour un bègue, parallèlement, parce qu'il y a un point, et je dois dire parallèlement, pas là, à exclure lorsque vous souffrez de... Encore une attaque! Une attaque! Mais je recommence, parce qu'on m'a dit, mon très petit collègue m'a dit, « Réal, faut que tu continues! Lâche pas les sinus et continues, prépuce! » Il accompagne ensuite Alain Bachung... Parallèlement, tu vois, hein, je bloque là-dessus sur parallèlement. Quand j'étais petit, là, je mangeais des hamburgers sans ketchup parce que j'étais incapable de dire ketchup. Alors, mon émission est ketchup.
Ah! Et puis j'ai pratiqué longtemps, j'étais couché là, lorsque j'avais 11 ans. Je disais ketchup, 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 le train est passé sur mon corps. Depuis ce temps-là, je suis plate, plate, plate. Oui, une vraie feuille. Une feuille à tête de chou. Et puis donc, Serge Gainsbourg, en parlant de... Hein, il fait partie du Ukulele Club de Paris et crée le Serge Gainsbourg Experience dans lequel il a le rôle du chanteur. Après ce long chemin, c'est seulement en 2011 qu'il sort en tant que chanteur Brad Scott Ier. Nous entendrons quelques extraits dans quelques minutes. Ça fait des quelques... Ah oui, en quelques mots, là, c'est trop de reprises. Ensuite de ça, après ce long, on le dit, en juillet 2012, Errance Canadienne était là, la preuve. CKRL, cultive tes goûts.